Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 25 avril, la Sainte Église célèbre Saint Marc, évangéliste, évêque d'Alexandrie de l'an 75. Écoutons la vie de Saint Marc. Une véritable vie de sainteté. Saint Marc est probablement de la race d'Aaron. Il était né en Galilée. Il semble avoir fait partie du groupe des 72 disciples du Sauveur. Mais il nous apparaît, surtout dans l'histoire, comme le compagnon fidèle de l'apostolat de Saint Pierre. C'est sous l'inspiration du chef des apôtres et à la demande des chrétiens de Rome qu'il écrivit l'évangile qui porte son nom. Marc, cependant, ne suivit pas Saint-Pierre jusqu'à son glorieux martyre, mais il reçut de lui la mission spéciale d'évangéliser Alexandrie, l'Égypte, et d'autres provinces africaines. Le disciple ne faillit pas à sa tâche et porta aussi loin qu'il ait pu dans ses contrées le flambeau de l'Évangile. Alexandrie en particulier devint un foyer si lumineux. La perfection chrétienne y arriva et ainsi au point que cette église, comme celle de Jérusalem, ne formait qu'un cœur et qu'une âme dans le service de Jésus-Christ. La rage du démon ne pouvait manquer d'éclater. Les païens endurcis résolurent la mort du saint évangéliste et cherchèrent tous les moyens de s'emparer de lui. Marc, pour assurer l'affermissement de son œuvre, forma un clergé sûr et vraiment apostolique, puis échappa au piège de ses ennemis en allant porter ailleurs la croix de Jésus-Christ. Quelques années plus tard, il eut la consolation de retrouver l'église d'Alexandrie de plus en plus florissante. La nouvelle extension que prit la foi par sa présence, les conversions nombreuses provoquées par ses miracles, renouvelèrent la rage des païens. Il fut saisi et traîné une corde au cou dans un lieu plein de rochers et de précipices. Après ce long et douloureux supplice, on le jeta en prison où il fut consolé la nuit suivante par l'apparition d'un ange qui le fortifia pour le combat décisif et par l'apparition du Sauveur lui-même. Le lendemain matin, Marc fut donc tiré de prison. On lui mit une seconde fois la corde au cou, on le renversa et on le traîna en poussant des hurlements furieux. La victime, pendant cette épreuve douloureuse, remerciait Dieu et implorait sa miséricorde. Enfin broyé par les rochers où se heurtaient ses membres sanglants, il expira en disant « Seigneur, je remets mon âme entre tes mains. » Saint Marc, priez pour nous. À tous ceux qui portent le précieux prénom
de Marc, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.